Ça y est, la keynote d'Apple vient d'avoir lieu et Apple vient de nous présenter les mises à jour d'iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8 et macOS 12. Il y a donc plein de secrets qui viennent d'être levés suite à ces annonces. Alors quelles sont les nouveautés? Avec quel appareil c'est compatible? Et quelle est la date de sortie? On voit tout ça dans cette vidéo. Pour information, cette vidéo va être surtout dédiée à iOS 15, mais si vous souhaitez que j'en fasse d'autres pour macOS, WatchOS et iPadOS, dites-le moi dans les commentaires. Et on commence tout de suite avec la première mise à jour sur iOS 15, FaceTime. Et la première chose qui va être ajoutée sur FaceTime, ça va être la fonctionnalité SharePlay. Et grâce à SharePlay, on va pouvoir partager du contenu pendant un appel FaceTime. Mais par contenu, on n'entend pas là partager des photos ou des vidéos tout simplement comme on le ferait via iMessage, on parle carrément de partager le visionnage d'un film, l'écoute d'une musique, ou même complètement partager l'écran du téléphone. Tout sera synchronisé, c'est-à-dire que si on partage par exemple le visionnage d'un film, la personne de l'autre côté aura en temps réel les images en même temps que vous. Pour ce qui est du partage d'écran, Apple nous donne l'exemple d'une personne qui voudrait booker un voyage et tout simplement on pourrait appeler la personne qui va venir en voyage avec nous, lui partager l'application de location et chercher ensemble en même temps qu'on est au téléphone la location de notre choix. Apple a aussi rajouté d'autres fonctionnalités à FaceTime comme spatial audio. Si vous êtes en conversation de groupe lors d'un appel FaceTime, la spatialisation du son va faire en sorte que vous allez entendre le son venir de l'endroit dans l'écran où se trouve la personne. On aura aussi une nouvelle visualisation des conversations de groupe, parce que ça sera sous forme de grille maintenant, et plus des bulles qui s'avancent et qui reculent au fur et à mesure que les personnes parlent. Il y aura aussi possibilité d'activer le mode portrait pendant la conversation, c'est-à-dire qu'il y aura un flou d'arrière-plan qui va s'appliquer derrière nous pour qu'on soit focus sur le visage de la personne et non pas sur ce qui se passe derrière. Toujours pour être focus, Apple a rajouté une nouvelle technologie qui est l'isolation de voix, qui permet via un algorithme de capter votre voix et d'annuler les bruits ambiants, mais aussi les autres personnes qui pourraient parler derrière. Et enfin, il serait possible, comme on en a l'habitude maintenant avec les conférences Zoom, etc., de planifier à l'avance une conversation FaceTime dans le calendrier qui sera disponible via un lien. Et enfin, tout ça, ça va permettre d'envoyer un lien d'invitation à n'importe qui pour rejoindre la communication FaceTime, même si la personne est sur un ordinateur Windows ou un téléphone Android. L'application iMessage devra aussi recevoir son lot de nouveautés avec iOS 15. Et parmi ce lot de nouveautés, il va y avoir des nouveaux Mimoji qui vont arriver, où on aura la possibilité de changer les vêtements sur les Mimoji pour les faire correspondre au mieux à nos habitudes. Mais ce qui va nous faciliter le plus l'utilisation de l'iPhone, c'est la nouvelle option « Partager avec vous ». Apple s'est rendu compte, et c'est vrai, que lorsqu'on reçoit un message dans lequel il y a des photos qui sont partagées, ou un lien, on les consulte pas forcément tout de suite si elles n'ont pas un lien direct avec ce qu'on est en train de faire. Et bien souvent, on va nous partager une nouvelle musique ou un lien vers un site internet, on n'aura pas le temps de le consulter à l'instant T, et plus tard on n'y pensera plus. Et bien Apple va rajouter une nouvelle option, ou plutôt un nouveau menu dans certaines applications, notamment les applications Safari, Musique, Apple Photo, Podcast et Apple TV. Et on aura donc depuis ces applications un nouveau menu qui s'appellera « Partager avec vous » et dans lequel on aura de recenser tous les liens qui ont été partagés dernièrement avec le nom du contact qui nous l'a partagé. Ça permet donc, dans l'exemple d'une musique, d'écouter la musique qu'on nous avait partagée il y a quelques jours au moment où on veut vraiment écouter de la musique. Une nouveauté qui est plutôt d'ordre esthétique, maintenant lorsqu'on reçoit un lot de photos dans nos messages, il y aura le système photo collection qui va s'activer et on va pouvoir glisser sur les photos pour les consulter une à une. On aura bien sûr toujours la possibilité de cliquer sur les photos pour les ouvrir en grand. Lors de cette mise à jour, Apple n'a pas fait que mettre à jour des fonctionnalités déjà existantes, ils en ont aussi créé des nouvelles, et c'est le cas de Focus. Focus, c'est tout simplement un espèce de mode ne pas déranger très amélioré, qui vient vraiment profondément dans le système. Ici, on va pouvoir régler différents niveaux de focus, est-ce qu'on est en train de conduire, d'étudier, de jouer, etc. Et suivant ce qu'on va choisir, l'iPhone va reconfigurer le système pour qu'on soit le moins distrait possible. Bien sûr, tout est configurable. Et grâce à la nouvelle mise à jour d'iMessage, si on le souhaite, il sera noté à nos correspondants qu'on est en ce moment en mode focus et qu'on ne peut pas être dérangé. Les notifications seront donc filtrées et vous pouvez choisir par exemple, lorsque vous êtes en focus travail, d'être notifié que par les notifications de vos collègues, mais pas des autres personnes. Encore une fois, tout est configurable et il y a possibilité de passer par-dessus cette restriction si jamais une personne doit vous envoyer un message qui serait important. Concernant les notifications, justement, il devrait y avoir aussi des nouveautés. Le design a été un petit peu revu. On aura maintenant de plus grandes icônes, plus de contenu visible, mais l'iPhone sera aussi capable de nous faire un résumé de nos notifications pour nous afficher les plus importantes suivant l'algorithme. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais il y a des voitures Apple Maps qui suivent les rues depuis un petit moment.
On se demandait à quoi elles servaient, est-ce qu'elles allaient apporter de nouveaux Apple Maps, et iOS 15 nous apporte déjà un début de réponse avec une refonte complète de l'application. On voit maintenant que les bâtiments apparaissent en 3D dans l'application, on voit même les arbres, les ponts, les feux et les passages piétons. L'application rattrape comme ça un retard sur ses concurrents qui avaient commencé à rajouter les bâtiments en 3D et en rajoute même un petit peu plus. Mais ce qui devrait être plus intéressant, c'est les instructions de marche immersives. Apple a donné la possibilité à l'application Plan de scanner les environnements en 3D et d'ajouter les instructions de navigation en réalité augmentée. Ça devrait être comme ça beaucoup plus simple lorsqu'on est à pied de savoir dans quelle rue on doit tourner. On l'a vu tout à l'heure, l'application Message va avoir son lot de nouveautés, et ça va être aussi le cas pour l'application Safari. On va avoir un nouveau design avec la barre du bas qui va complètement disparaître lorsqu'on navigue dans la page pour laisser plus de place à l'affichage, et on pourra naviguer à travers les onglets en faisant glisser justement cette barre de gauche à droite. Mais l'une des plus grosses nouveautés de Safari, c'est quelque chose qui existe déjà sur ordinateur, c'est la possibilité de rajouter des extensions. Les applications tierces auront la possibilité à partir de maintenant d'ajouter leurs propres extensions à Safari afin d'y ajouter du nouveau contenu. Maintenant, libre aux développeurs de voir ce qu'ils vont faire de ça. Beaucoup des nouveautés qui arrivent sur nos smartphones sont liées à de l'intelligence artificielle. Et ça va être le cas de l'application Photo qui va en recevoir une grosse dose. Elle sera en effet à partir de maintenant capable de reconnaître le texte qu'il y a dans chacune des photos. On aura donc la possibilité de sélectionner un texte comme si c'était un texte classique, mais dans une photo. Les adresses et les numéros de téléphone seront eux aussi détectés et on aura juste à cliquer dessus pour aller naviguer ou bien pour appeler le numéro de téléphone. Ce qui va être intéressant dans tout ça, c'est que ça va être compatible avec l'application Traduire et que dans le cas où on aurait une photo avec du texte dans un langage étranger, on aurait possibilité de le traduire directement en français depuis la photo. Toujours grâce à l'intelligence artificielle, l'application Photo aura la possibilité de détecter maintenant des éléments dans les photos. Que ce soit un animal, des fleurs, des œuvres d'art ou un lieu par exemple, Photo sera capable de les détecter et de nous donner plus d'informations d'un simple clic. Je sais pas si vous ouvrez régulièrement l'application Santé, mais elle va être aussi remise à jour, et on aura une nouvelle possibilité qui est celle de partager des données de santé avec des proches de confiance. Ça devrait donc participer à prévenir en amont de certains problèmes de santé, qu'on va donc pouvoir partager avec nos proches ou avec notre médecin. Qu'est-ce que serait une keynote d'Apple sans parler de confidentialité ? Et lors de cette présentation d'iOS 15, Apple a bien sûr parlé de nouveau de confidentialité, et cette fois-ci on va avoir la possibilité de vérifier à quoi a eu accès et quand chacune des applications qu'on utilise. Parce que effectivement, si j'ai accepté que mon GPS me localise, j'aimerais bien qu'il me localise que lorsque je suis en train de conduire, et pas lorsque je suis chez moi. Eh bien on va pouvoir maintenant le vérifier grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Apple avait déjà fait très fort dans Safari concernant la confidentialité, ils apportent maintenant tout ça dans Mail, et on a la possibilité maintenant de cacher des informations sensibles avec les personnes avec qui on chatte par mail. C'est le cas par exemple de notre adresse IP qui leur permettrait de nous localiser. Concernant Siri, il pourra maintenant être utilisé en hors connexion et de nombreuses actions pourraient être faites sans même utiliser Internet, ce qui permet non seulement d'améliorer la confidentialité, mais en plus d'être beaucoup plus rapide à exécuter les actions. Et on l'a vu lors de la keynote, en plus d'aller vite, il y a visiblement de nouveaux paramètres sur lesquels Siri va pouvoir interagir. On le sait, iCloud nous permet maintenant depuis 10 ans de synchroniser les données de nos appareils Apple les uns entre les autres. Ça nous permet de faire une photo avec notre iPhone, de la retrouver ensuite sur notre iMac ou sur notre iPad. Tout ça est bien entendu sécurisé et Apple vient de nous présenter iCloud Plus, qui nous permet justement de sécuriser encore plus de données sur nos appareils. Et ça va être le cas lors de notre navigation internet. Vous avez peut-être déjà entendu parler des VPN, sans peut-être savoir exactement en quoi ça consiste. Je vais certainement d'ailleurs en faire une vidéo à ce sujet. Mais Apple nous permet maintenant, dans Safari, d'avoir un équivalent à un VPN qui va sécuriser notre connexion lors de notre navigation. Il va être aussi possible de cacher notre email lorsqu'on a besoin de remplir un formulaire et qu'on ne souhaite pas que la personne nous envoie du spam par exemple. On va donc pouvoir à partir de maintenant créer une adresse mail qui sera dédiée juste à ce site et qui fera le relais avec notre vraie adresse email. De cette façon, le site n'aura jamais notre vraie adresse et à tout moment, on pourra couper le lien entre ces deux adresses de façon à ne plus du tout recevoir de mail du site en question. Apple ne nous impose aucune limite sur le nombre de mails qu'on va créer, on aura possibilité à l'infini d'en créer et d'en effacer. Voilà, je vous ai fait ici un rapide condensé des informations qu'on vient d'avoir grâce à la keynote, mais les versions bêta sont déjà disponibles, d'ailleurs je vais l'installer sur mes appareils, donc je vais très prochainement vous en faire des vidéos beaucoup plus précises. À savoir que pour ceux qui ne le savent pas,
La keynote d'Apple est toujours l'ouverture de la conférence développeur. Cette conférence dure plusieurs jours et de ce fait, dans les prochains jours, on va avoir de nouvelles informations sur les mises à jour qui viennent d'être annoncées. Il est bon de le répéter, donc je le redis encore une fois, n'installez pas de mise à jour bêta sur vos appareils personnels. Ils sont dédiés uniquement aux appareils de test. C'est de la bêta comme le nom l'indique. Concernant les dates de sortie, ça devrait être disponible à l'automne 2021. Donc on le voit, il y reste encore quelques mois de développement et pour l'instant, c'est pas du tout fini. Et même si une version bêta publique est prévue pour juillet, je ne peux que vous déconseiller de l'utiliser. C'est toujours fait pour des appareils de test. Ça reste de la version bêta et donc il y a toujours des bugs. Pour ce qui est des appareils compatibles, ça va être compatible à partir de l'iPhone SE de première génération. Les iPhone 6S seront eux aussi toujours mis à jour. Bien entendu jusqu'aux derniers iPhones qui sont actuellement la gamme d'iPhone 12. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus, il va y en avoir énormément sur la chaîne dans les prochains jours, parce qu'il y aura encore plein de nouveautés. Je vous tiendrai au courant des futurs bêtas qui devraient rajouter encore des nouvelles fonctionnalités qui n'ont pas forcément été annoncées pour le moment. Donc je vous laisse vous abonner en activant la cloche et toutes les notifications. Laissez un like et un commentaire si la vidéo vous a plu, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.